Good morning, allez, Ida, nous sommes aujourd'hui le Nishmat Adel, Bat Sol, Tarab, Lebet, Vanish, Charlie, Shalom, Ben, Germain, Sarah, Edov, Ben, Yudit, en ce qui lui refou, Atolibus, en Nishmat, Ben, Chayester, Hamshat, Myriam, Bat, Roselena, et Ben, Ben, Chabiba, Vetor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez à 5 minutes éternelles, nous étions à Massachet, Ouvin, Pagdalet, Mishnah, Yudu, Mishay, Yatsa, Lelech, Beir, Shemar, Winba, Vechezir, Havero, Humutar, Lelech, Vechol, Ben, Ha'ir, Asurin. Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, Kol Shehu Yachol Le'arev, Velo Erev, Areize Chamar Gamal. Mishnah, vraiment pas compliqué parce que, à condition d'avoir bien compris les Mishnahs précédentes. Si vous avez compris, ça va être encore un petit détail supplémentaire. Je rappelle une halakha qu'on avait découvert il y a deux Mishnayot, et une précision qu'on a eue dans la Mishnah précédente, soit. Pour faire, lorsque je veux sortir de ma ville, chaque Shabbat, je suis limité à 2000 amas et pas plus. J'ai la possibilité de faire un Hérouv, un procédé qui va faire que mon lieu du Shabbat n'est pas là où je me trouve concrètement, mais plutôt à l'extrémité du Troum Shabbat, à 2000 amas. Donc puisque j'habite là-bas, ça m'octroie le droit d'abord, tout d'abord, bien évidemment, de revenir chez moi, et même de partir 2000 amas supplémentaires, à condition de renoncer aux 2000 amas qui sont de l'autre côté de la ville. Parce que puisque j'habite, lorsque j'habite dans la ville, j'ai 2000 amas au nord, 2000 amas au sud, si j'ai décidé de m'installer le Shabbat à 2000 amas au nord, c'est là-bas ma place, donc ça me permet de rester chez moi à la maison. Aussi, parce que je suis dans les 2000 amas. Mais, et ça va me permettre d'avoir 2000 amas supplémentaires, mais je ne vais plus pouvoir avoir 2000 amas au sud. Ça, c'est une première notion. Élémentaire, depuis le temps, on la connaît bien, Baruch Hashem. Pour pouvoir faire le Hérouv, on avait deux procédés avec un troisième très original et très restreint. Je peux soit mettre un pain là-bas, alors c'est devenu mon repas, ça s'appelle que j'habite là-bas, soit je peux même partir moi-même me rendre là-bas. C'était une autre option, une discussion de la première chapitre précédente, est-ce que c'est que pour un pauvre ou même pour un riche? La lacha est fixée comme un Yehuda, même un riche il peut le faire s'il veut. L'essentiel, c'est que tu désignes qu'à l'entrée de Shabbat, tu habites là-bas, tu n'habites pas ici. Tu peux désigner en mettant un pain, tu peux désigner en t'y rendant directement. Et on a appris maintenant dans la Mishnahet un très grand chidouche qui était la possibilité de le faire sans rien. Mais c'était très limité. Soit, on avait pris le cas d'une personne qui était en train de rentrer chez lui, qui n'était pas encore arrivé dans le Troum Shabbat, alors que la nuit était en train de tomber, il n'avait pas envie de rester tout seul dans la forêt. Mais comme il est dans une distance de moins de 4000 amas de la ville, il a la possibilité de désigner un arbre, un banc, un lieu bien précis, intermédiaire, qui va être donc à 2000 amas. J'habite là-bas, puisque j'habite là-bas maintenant, j'ai le droit de me rendre là-bas, et de là-bas j'ai le droit de rentrer dans la ville ensuite, parce que c'est devenu mon lieu du Shabbat, et là le grand chidouche, il est que même si je ne suis pas dessus, je n'y suis pas arrivé, je n'ai pas mis de pain, malgré tout j'ai le droit de le faire, mais c'est limité à un pauvre, qui n'a pas de pain pour le faire, ou celui qui est en voyage. D'accord? Retenez bien ça, parce que là, ça va être le point pour comprendre le début de Mishnah. Soit tu es pauvre, soit tu es en voyage, mais si tu n'es pas en pauvre ou en voyage, eh bien, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas le faire. Ça veut dire, en deux mots, si moi je suis chez moi à la maison maintenant, je veux avoir un roof dans le nord, j'ai un quartier, une petite ville, un petit village qui a réellement, même d'ailleurs à 2 km en sortant dans le nord de Jérusalem, après Ramot. Si on supprime Shmuel Hanavi, comme ça, sinon ça relie, alors il y a un truc qui s'appelle Givat Shmuel. Il y a un petit kfar, comme ça, un petit village qui s'appelle Givat Shmuel. On n'a pas le droit de partir là-bas Shabbat parce que c'est trop loin, mais on a décidé de mettre un Hérouv à mi-chemin. D'accord? Alors, du coup, j'ai pas le droit, moi, si je suis chez moi à la maison, de dire, ah, je désigne le banc qui est à mi-chemin et du banc je continuerai. Non, pas du tout. Pour le moment, tout va bien chez toi, t'es riche, Baruch Hashem, t'as de quoi mettre un pain, t'es pas en voyage, t'as le droit de partir. Ok? Et c'est là qu'on va découvrir la halakha, maintenant, notre Mishnah. Mishe yatsa lelech be'ir shemar minba. Celui qui est sorti de chez lui pour partir dans une ville dans laquelle on peut faire un hérouve. Soit une ville que je peux, qui n'est pas à plus de 4000 amas, donc que je peux relier et rattacher à mon lieu avec un hérouve au milieu. D'accord? Soit, comme je vous ai dit, de Ramot jusqu'à Givat Shmuel. Kiryat Shmuel, comment Givat Shmuel. Et donc quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vers Zero Havero. Et mon copain, il m'a ramené à la maison.
Le vendredi après-midi, j'ai pris mon pain pour partir faire le verrouf, parce que je suis invité pour Shabbat midi chez mon arrière-cousin qui habite là-bas. J'ai pris mon pain vendredi après-midi pour partir le poser à côté du banc, proprement. Et puis quoi, j'ai rencontré mon ami qui m'a dit « pourquoi tu pars tout de suite? Laisse, je te prends tout à l'heure en voiture, regarde, il fait encore jour. Viens, repose-toi, il va pleuvoir. » Je dis « bon, d'accord, mais tu m'oublies pas. » Et à cause de lui, je rentre chez moi à la maison. D'accord? Et du coup, le gars, il m'a planté, j'ai pas eu le temps de repartir. Ou bien il m'a dit « non, j'ai le temps, mais en fait, j'avais pas le temps du tout. » À peine je suis arrivé chez moi à la maison, je regardais l'heure, j'ai dit « mais ça y est, je suis bâti de rentrer, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pas fait mon verrouf, comment je vais partir manger chez mon cousin demain, midi, Shabbat. Alors, qu'est-ce que la Mishnah me dit? T'inquiète pas. Vous, moutard, les lèvres, les chol, béné, aïr, assourine. Moi, j'aurai le droit de partir là-bas. Même si j'ai pas mis mon pain, et même si je n'ai pas atteint l'endroit pour y aller. Mais tandis que toutes les autres villes ne pourront pas partir. Tous les autres habitants de la ville ne pourront pas partir. J'explique d'abord ce que c'est l'école, les autres habitants, j'ai oublié de vous dire en fait. C'est pas que ma famille qui est invitée chez mon cousin. C'est même aussi mon voisin de palier. On est tous les deux invités, on devait tous les deux partir. Et je devais maintenant mettre le héros, j'avais pris un gros pain, pour que ce soit moitié pour lui, moitié pour moi. Et donc la Mishnah me dit, ben moi, j'ai le droit de partir, mais les autres habitants de ma ville ne peuvent pas partir. Maintenant, on va expliquer un petit peu mieux, c'est pas compliqué. C'est fondé sur le même principe. La Mishnah, en fait, elle m'a dit, dès que tu as commencé à prendre la route, sache qu'au partir du moment où tu commences à voyager, tu es devenu un voyageur, tu es considéré comme un pauvre. Dans ce cas-là, si tu es considéré comme un pauvre, eh bien, si, même si tu n'as pas concrètement posé le hérouf là-bas, c'est pas grave, tu pourras acquérir ton hérouf par le simple fait que tu as voulu te rendre là-bas. Donc tu acquiers le hérouf là-bas à mi-chemin sur le banc en question. Tandis que mon voisin, qui est encore chez lui installé à la maison, le vendredi après-midi, lui, il est riche, puisqu'il est chez lui à la maison. Il n'est pas considéré comme un pauvre. Et dans ce cas-là, ça ne marche pas de désigner un hérouf simplement par la pensée en voulant s'installer sur le banc, il doit nécessairement amener son pain ou partir de lui-même à l'entrée de Shabbat. Ok? C'est ce que la Mishnah m'enseignait. Ou moutar l'élerf, vechol benéaïr assurine. Moi, j'aurais le droit de partir parce que dès que j'ai pris la route, je suis devenu pauvre. Et je me suis fait tromper par un voisin qui m'a entourloupé, qui m'a dit non, rentre, tu pourras repartir après. Finalement, j'ai eu aucune intention d'annuler mon programme de partir poser un hérouf. Donc concrètement, j'ai vraiment envie de faire le hérouf. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, non. Kol shehu yachol le'arev velo erev, areze chamar gamal. Alors j'ai une petite dette envers vous pour vous expliquer les sons chamar gamal, je le ferai après. D'abord, premièrement, Rabbi Meir m'enseigne quelque chose de simple. Il me dit, kol shehu yachol le'arev velo erev. Il me dit, Rabbi Meir, non, toute personne qui peut concrètement partir poser un hérouf et n'y va pas, même moi qui étais en route pour pouvoir le faire, finalement mon voisin m'a dit rentre, tu repartiras après. Eh ben dans ce cas-là, j'ai perdu, on a un doute sur mon intention, parce que j'ai pas eu l'intention finalement de ne pas faire le hérouf pour le moment. La Mishnah elle appelle ça Khamar Gamal, ça veut dire qu'en fait, d'abord j'explique l'idée, ça s'appelle qu'on a un sapek. Est-ce que réellement, Rabbi Meir n'est pas foncièrement en discussion contre Rabbi Yehuda en lui disant que ça marche pas, t'es un hérouf parce que t'as pris la route. Non, ça peut marcher. Le problème de Rabbi Meir, il est qu'à partir du moment où j'ai rebroussé chemin, hein, alors il est possible qu'en réalité, j'ai plus l'intention de faire le hérouf. On ne sait pas quelle est mon intention. Peut-être que j'ai eu l'intention de me dire, bon, je le ferai plus tard, mais plus pas maintenant, et pour le moment, j'ai plus d'intention. Mais savent caler. Le Bartanoï, il explique ça un petit peu différemment. Je vais vous expliquer comme ce que Rachid explique dans la Gemara. Selon Bartanoï, il explique, est-ce que Rabbi Meir, il a un doute, est-ce que je suis considéré comme un pauvre ou pas par le simple fait que je suis en route pour partir? Peu importe, on a un doute. Quand c'est Rabbi Meir a un doute, est-ce que j'ai réellement, ça marche d'acquérir le hérouf par le simple fait que j'ai l'intention de rentrer sur place ou pas. D'accord? Et donc, il m'appelle, je suis un Khamar Gamal. Donc, je me retrouve, c'est le principe de Khamar Gamal, on avait vu l'expression en haut et j'avais du mal à la comprendre depuis. Bon, j'ai évolué dans la vie et je sais ce que ça veut dire, ce Khamar Gamal. Bon, concrètement, je répète le principe d'abord de si je ne fais pas de hérouf, alors j'ai le droit de partir à 2000 amas au nord et 2000 amas au sud. Lorsque je fais le hérouf à 2000 amas au nord, j'ai maintenant désormais 2000 amas supplémentaires au nord, donc j'ai le droit de partir 4000 amas dans le nord, mais 0 dans le sud. Pour le moment, c'est clair. Lorsqu'on se retrouve en situation de doute de hérouf, est-ce que mon hérouf il a marché ou pas, il s'avère que j'ai perdu des deux côtés. Et soit je dis, Nimsa kareach mise ou mise, il est devenu chauve parce qu'il n'a plus ni les cheveux blancs ni les cheveux noirs. Vous vous rappelez l'histoire avec le mari qui avait deux femmes, une femme jeune, une femme vieille,
Et la vieille, elle lui a enlevé les cheveux noirs, la jeune, elle a enlevé les cheveux blancs, du coup, il s'est retrouvé chauve. J'ai perdu là-bas et j'ai perdu ici. Puisqu'on ne sait pas ce que mon rouvel a marché, peut-être que j'ai 4000 amas au nord et 0 au sud. Peut-être que j'ai 2000 amas au nord, 2000 amas au sud et pas 4000 amas au nord. Donc du coup, on ne me donnera que dans le doute 2000 amas au nord, c'est ce qu'il y a la partie commune entre les deux options. D'accord? C'est ce qu'on appelle en Mishnah Hamar Gamal. Hamar Gamal, alors c'est celui qui tire un âne et un chameau en même temps. En fait, c'est deux manières de les tirer différemment. Le chameau, on le tire, vous avez déjà vu un chameau, ça se trouve dans les déconseurs de Yerushalayim, ils sont bien mamelards, on en rencontre plein. C'est très violent, agressif, il faut les attraper par devant et les tirer, d'accord? Il est têtu, quoi, apparemment. Il faut l'attraper par devant pour le tirer. L'âne, au contraire, il ne faut pas le tirer par devant. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se met à faire la tête. Il faut se mettre de côté et avancer gentiment, il avance avec lui. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous devez tirer un chameau et un âne en même temps? Je dois partir avec dans la même direction. Un qui m'impose de me retrouver devant, l'autre qui m'impose de me retrouver derrière. Et comment je fais? Je ne peux pas leur donner un... Car apparemment, je ne peux pas faire en sorte que l'âne va marcher plus. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je veux marcher avec les deux, je me retrouve en déchiré entre les deux, en fait. Et dire que je suis un Hamar Gamal, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui dirige un âne, qui dirige un chameau en même temps, et qui a une solution qui m'écartèle les bras, que je n'ai pas la possibilité de faire les deux. Soit je suis là, soit je suis là, donc je perds des deux côtés, en fait. C'est une expression pour dire, c'est pour ça que je perds des deux côtés. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol Tuv, Salam.